raison de faire Monochrome en monochrome. Bah, Monochrome, c'est une plateforme artistique. Mm-hmm. C'est un magazine d'art et de culture en Algérie. D'accord. Donc, actuellement, on est. Qui fait chez Ndor Lolé? C'est monochrome.com. Monochrome mag.com. Ok. Voilà. Donc, il y a un magazine trimestriel d'une fois par trois mois. D'accord. Qui concerne l'art, ma chérie, sincèrement. Donc, même film de l'Arabie, l'Afrique, même le lycée. Donc, maintenant, j'ai des limites. D'accord. Mais comme début, bien sûr, des les éditions nouvelles à l'Algérie. Donc, actuellement, okay. On a dépassé ça. Parce qu'il n'y a pas que juste les Algériens, les Tibérois. Surtout les Marocains et les Tunisiens, les Tibérois. D'accord, vous faites du journalisme. Bah, oui, on a des rédacteurs, sincèrement. Le projet qu'on fait, c'est un projet bénévole, c'est ça. D'accord. À la base, quand ils font le projet, c'est des bénévoles. Parce que vraiment, ils font le oui. Donc, on a le magazine, il fait un avant-break sur la classification mondiale de l'art. L'architecture, par exemple, l'art plastique, l'art numérique. Un de nos artisanats de l'art, voyage découverte et tout. Donc, il y a plusieurs rubriques. Oui, ils font le oui, ils font vraiment le sur le et en parallèle, c'est une plateforme. Les filles, par exemple, un jeune artiste, mais des expositions, la carrière. On trouve aussi des portfolios d'artistes. Oui. Voilà, dans la rubrique, il y a des artistes de se faire connaître. D'accord. Voilà, on va Inch'Allah faire, c'est très bientôt, Inch'Allah, des formations spéciales pour Monochrome. Oui. Quel genre de formation? Différents dans l'art plastique par exemple, la peinture et tout, donc la photographie aussi, okay. Les arts visuels, voilà. Donc, des ateliers pour l'enfant, pourquoi pas, pour, je sais pas, pour le recyclage. Ouais, ok. Très bien. Et donc,